sancti spiritus filius passionedo Christi, da nobis in dem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate eius dem spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio actum apostolorum in iebus illis, cum audissant apostoli, qui rande Hierosolimis, quod recepis et Samaria verbum Dei, miserum da Deus a Petrum et Johannem, qui cum venissant oraverum proipsis, ut ac scipere spiritum sanctum, non dominem in quenquam illorum venerare, sed baptizzati tantum erant in nomine Domini Iesu. Dunc imponebant manus super illos, et ac scipiebant spiritum sanctum. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres restés à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait fait bon accueil à la parole de Dieu, y envoyèrent en mission Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci se mirent en prière pour que ces nouveaux disciples reçoivent eux aussi l'Esprit Saint. Ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, car ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les apôtres alors leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Yeah.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, seques diligit me sermonem meum servabit, et pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me sermones meos non servat, et sermonem quem audisti non est meus, sed eius qui missit me patris. Ec locutus sum vobis apud vos manes. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem item pater in nomine meus, ille vos docebit omnia, et surgeret vobis omnia, quecumque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Non quomodo mundum dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formide. Audistis quia ego dixi vobis, vado et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad patrem, quia pater maior me est. Et nunc dixi vobis, prius quam fiat, ut cum factum fueri credatis. Iam non multa loqua vobiscum, venit enim princeps mundi uius, et in me non habet quidquam. Sed ut conoscat mundus qui ad illigo patrem, et sicum mandatum dedit mihi pater sic facio. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous deviendrons et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, du Père. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le Paraclète, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraye pas. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviens à vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent,
afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient et il n'a aucun droit sur moi. Mais il vient afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a ordonné. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis heureux de vous accueillir dans cette cathédrale, l'église mère, comme recteur archiprêtre, mais aussi comme vicaire épiscopal chargé de la mise en place du motu proprio dans notre cher diocèse de Paris. Je voudrais aussi vous dire que le cardinal André XXIII est en communion avec nous ce soir. Il poursuit sa convalescence, mais il m'a dit qu'il était en prière avec nous pour rendre grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fêter l'anniversaire d'un acte ecclésial important, comme le fut le motu proprio, c'est d'abord rendre grâce pour l'action de l'Esprit-Saint, non seulement dans le cœur du pape Benoît, mais aussi dans l'Église. Ce motu proprio, il est lié à la nouvelle interprétation du Concile qu'avait voulu le pape Benoît, qui ne soit pas une interprétation de rupture, mais bien de continuité. Et rappelant que le missel promulgué par Saint Jean XXIII en 1962 n'avait pas été abrogé, et portant aussi ce souci pastoral de l'unité de l'Église catholique, le pape Benoît savait que la liturgie était le lieu source, la possibilité de pouvoir célébrer, selon le missel romain du bienheureux Paul VI et celui de Saint Jean XXIII, doit être un facteur d'unité. Car, je le cite, ces deux expressions de la lex orandi de l'Église n'induisent aucune division de la lex credendi de l'Église. Ce sont en effet deux usages de l'unique rite romain. Ainsi, ce que nous vivons dans nos paroisses parisiennes depuis plus de 10 ans, mais j'allais dire, pour Saint-Eugène, depuis plus de 25 ans, grâce au cardinal Jean-Marie Lustiger, montre combien ces deux formes du rite romain peuvent s'enrichir. Il n'est pas question ce soir de vous faire une conférence sur tous les fruits de ce motu proprio. Je souhaite simplement souligner un seul fruit. La liturgie est mystère. Ou si vous voulez, elle est une entrée dans le mystère de Dieu. Tout curé construit sa pastorale à partir de la célébration de l'Eucharistie. Tout simplement parce que la Sainte Messe est source de grâce et c'est le sommet de toute évangélisation. Les fidèles
qui viennent à la Sainte Messe veulent vivre en plénitude leur vocation sacerdotale, en devenant vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Oui, il s'agit d'entrer dans le sacrifice du Christ, c'est-à-dire dans son mouvement d'amour à son Père. Merveilleux échange, où nos pauvretés deviennent richesses, où nous devenons ce que nous avons reçu, le corps du Christ, pour reprendre le grand saint Augustin. J'en suis persuadé. Plus les fidèles vivront leur fonction sacerdotale, plus ils susciteront des vocations sacerdotales. Les jeunes répondront à l'appel du Christ s'ils voient que le peuple fidèle a soif de Dieu, a soif d'une spiritualité profonde. La Sainte Messe est aussi le lieu privilégié d'une profonde intimité avec le Seigneur. Le Saint Curé d'Ars, en montrant le tabernacle de sa petite église, disait pendant un quart d'heure à ses paroissiens : il est là, il est là. Oui, le Christ est réellement présent sur l'autel. Oui, le Christ veut nous parler. Et je vous ferai volontiers une confidence. C'est le jour de ma première communion. C'était pas hier. Dans le silence de l'action de grâce et le silence de mon cœur, que le Seigneur m'a appelé pour être prêtre. Et depuis 37 ans, ma plus grande joie, c'est de célébrer chaque jour l'Eucharistie. Rester en silence avec Jésus. Le cardinal Sarah y insiste dans son dernier ouvrage. Certes, il y a d'autres moments de notre vie spirituelle où le silence s'impose, comme la Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu, l'oraison, mais le cœur à cœur avec le Christ présent dans l'Eucharistie est un sommet d'amour. C'est une véritable ascèse parce que notre esprit parle beaucoup et le Saint-Esprit a du mal à en placer une. Mais je vous invite vraiment à entrer dans le silence pour votre action de grâce. Enfin, la liturgie sera une entrée dans le mystère. Si le temps et l'espace nous conduisent là où est célébrée l'unique liturgie avec l'unique grand prêtre. Les chœurs de nos églises doivent être beaux, doivent être propres. Le pauvre curé d'Ars n'avait pas hésité à dépenser tout son argent pour acheter son superbe calice, son ciboire, l'ostensoir. Rien n'est trop beau pour le Seigneur. Les ornements liturgiques nous disent où est la source. La beauté attire nos yeux du cœur vers le haut. Que notre offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. La liturgie, elle nous parle du royaume en faisant croître en nous le désir d'y entrer. Et croyez-moi, ce qui caractérise le royaume, c'est l'amour, et l'amour est plénitude. Quant au temps, nous avons à vivre cette tension
entre le temps et l'éternité. Une belle liturgie nous fait découvrir ce qu'est l'éternité, tout comme une véritable amitié nous fait découvrir un peu l'éternité. Le pape Benoît, grâce à ce motu proprio, a rappelé que c'est bien la communion sacramentelle qui construit l'Église, s'inscrivant ainsi selon la tradition de nos pères. Que chacun, selon ses sensibilités liturgiques, participe à la construction du corps ecclésial. Nous le savons bien, l'unité n'est pas l'uniformité. C'est vrai à l'intérieur de l'Église, mais cela suppose que la liturgie soit reçue et respectée comme un don du Seigneur, un don qui ne nous appartient pas, mais que nous avons à faire fructifier pour notre vie intérieure, pour ce véritable chemin de sainteté et de bonheur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mm-hmm.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est tecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui ascendens super omnes celos, sendensque ad desteram tuam, promissum spetum sanctum in filius, adoptionis effudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exulta, sed et superne virtutes, atque angelice potestates, Hymnum gloriae tuae concinum, sine fine dicente. Thank you.
Eremia secula seculorum. Oremus, recepti salutaibus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Deo de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Ibe Pater, Quia peccavini mis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor beata Mariam semper virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ionem Battistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misa tuum est omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris facultat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam attribuisse et famigerem peccatorum vetorum, Vat vobis omnipotens et misericordiam. Esse agnus Dei, receptoris peccata mundi. Thank you.
oremus. Sancti Spiritus, Domine, corda nostra mundet infusio, et sui roris intima aspersione fecunde, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eius Dem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Avant de chanter le Magnificat, pendant qu'il y aura la sortie des prêtres, je voulais d'abord dire un grand merci pour la beauté de la liturgie. Je pense que le Seigneur jubile, nous nous jubilons, tout le monde jubile, même Notre-Dame. Pour la sortie, c'est pour des questions de sécurité, vous allez tous sortir par le grand portail qui est en train de s'ouvrir. On ne tarde pas trop sur le parvis pour des raisons de sécurité, mais on n'a pas besoin non plus de se bousculer. Et comme nous avons une belle cathédrale, eh bien vous regarderez, parce qu'on a le soleil couchant, la rosace du XIIe siècle en haut, mais il faut regarder aussi en bas, eh bien vous verrez que c'est une pure merveille parce qu'elle a changé de couleur.